Alors, bonjour Champion. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Alain Sikion Mamadou Gassibaldi, élève de Habibata Tunkara, Flamadine. D'accord. Alors, vous êtes classé premier de la République en sciences expérimentales au baccalauréat unique session 2022. C'est quoi votre sentiment après d'avoir été premier? Je suis content et heureux à la fois, vraiment très enthousiaste. Car, comme vous le voyez bien, toute la famille est joyeuse ici et la joie est mieux partagée avec la famille. D'accord. Alors, expliquez un peu comment vous êtes ici à ce rang-là. Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour se démarquer des autres qui n'ont pas eu ce classement? Des révisions, du courage, des nuits blanches, des groupes de révision avec des amis qui m'ont aussi beaucoup aidé. Ok, d'accord. Quel a été l'apport alors de votre famille, particulièrement votre père et les enseignants à l'école dans cette réussite-là? Quel a toujours soutenu. Il m'a cherché un prof, un répétiteur à la maison. Ok. Votre papa? Oui. Ok. Et comment se passait cette répétition-là? Du lundi au samedi, quel était votre calendrier? Jeudi au samedi, le reste, je me débrouillais avec mes amis et on révisait ensemble. Ok. Alors, dites-nous, quelles sont les matières dans lesquelles vous vous sentez beaucoup plus à l'aise pour vous qui vous ont permis d'avoir ce résultat? J'aime particulièrement la physique, c'est ma matière préférée. Mm-hmm. Et en plus de ça, il y a la chimie. Mm-hmm. J'aime beaucoup les matières pratiques. D'accord. D'accord. Alors, le baccalauréat de cette année, 9% sur toute l'étendue du territoire national. Vous, en tant que candidat, comment vous avez accueilli cette nouvelle-là hier? C'était étonnant de la part de tout le monde, même de nous. Mm-hmm. Et c'était aussi effrayant, car d'un moment, nous avons eu peur aussi, car nous sommes des candidats aussi. Ok. Donc hier, vous avez eu peur quand vous avez appris cela? J'étais inquiet. Ok. Car je ne connaissais pas ma soeur. Okay. Mais l'espoir quand même était permis. Ouais, parce que j'espérais avoir mon bac et mieux me classer. D'accord. D'accord. Alors, quel appel avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit de vos amis qui n'ont pas décroché cette année le baccalauréat? Qu'ils prennent du courage et qu'ils continuent à travailler. J'espère que l'année prochaine sera mieux. D'accord. Alors, vous dites que vous aimez la chimie, la physique. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'université? La médecine. La médecine. D'accord. Et pour reprendre ce que a fait votre papa? Votre papa, non, il est médecin? J'aime particulièrement la médecine. Okay. Donc, j'aimerais sauver la vie. C'est ici que je faisais mes répétitions. Ok, avec votre répétiteur à la maison? Oui, et aussi avec mes amis. Ok. Donc il y a beaucoup de vos amis qui venaient après vous ici pour... On avait des groupes de révision entre amis. Ok. Ok, d'accord. Notre assistant à la faculté de médecine et de pharmacie orientale et pharmacologie de l'Université de l'Amérique de Panache. Alors, ce matin, ça vous fait quoi? Les résultats sont proclamés. Votre fils est premier de la République dans son option. Ça vous fait quoi? Du plaisir. Okay. Merci. Un moment de remerciement à la gare de thérapeute de l'univers. Et c'est nous devons tout. D'accord. Alors, pour vous, comment l'enfant est parvenu à ce résultat-là? Qu'est-ce que vous, en tant que parent, d'élèves, vous avez pu mettre en place à la maison en termes de stratégie pour qu'il puisse se classer premier de la République?
D'abord, c'est la grâce de Allah. Il a très peu de temps à la main. Il a très peu de temps. Okay. J'ai des répétiteurs. On le dit lundi au mercredi, d'autres du jeudi au samedi. Okay. Donc, pratiquement, il n'y a qu'un seul jour, dimanche. Ok, de repos. Donc, ces deux répétiteurs se succèdent à la maison ici, dès qu'ils quittent à l'école. Oui. Okay. Vous devez être fier, il veut embrasser votre métier. Ça vous fait quoi? C'est encore du plaisir pour moi. Aussi, des moments qui me permettent une fois de plus de rendre grâce à Allah. À son prophète. Parce que moi, je suis issu de cultivateur. Vous êtes issu? Une famille. Ah, ok, ok. Et toutes mes félicitations à vous pour ce résultat. Merci. Merci. C'est bon.